Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour une séance qui va être relativement simple car elle contient globalement deux exercices. Allez, on commence directement sans attendre par l'échauffement. C'est parti. Alors, pour l'échauffement, premier exercice, ici on croise coude et genou opposé. Allez, c'est parti. On va faire ça pendant une petite minute. Donc là, selon votre niveau, vous allez plus ou moins vite. Ceux qui sont sportifs, qui ont l'habitude, ils accélèrent. Pour ceux qui débutent, on peut aller un peu plus lentement ici. On amortit bien les appuis au sol. On ne croit sans non plus taper, d'accord? Juste on approche le coude et le genou. Allez. Donc c'est environ une minute. Hein. Allez, on garde le rythme, c'est important. On essaie de monter de plus en plus haut les genoux. Le souffle, soufflez bien. Allez, on garde le rythme, on va ralentir. Croise bien. Allez, j'en ai accéléré. Les 15 dernières secondes, c'est encore mieux. Allez. Allez. Ok. Tout de suite, deuxième exercice pour s'échauffer aussi. Cette fois-ci, je vais puis le genou, croiser là avec le pied et je vais chercher le pied avec la main ici. Ok? Allez, c'est parti. Vous mettez bien votre main à plat, d'accord? Pour pas se faire mal au droit. Allez, pareil, une petite minute. Je peux essayer de ramener la deuxième heure du corps. C'est un peu plus dur. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. C'est une question uniquement de coordination. Allez, on tient. N'hésitez bien à souffler. N'hésitez pas, pardon, à souffler. Bien souffler. Quitte à exagérer un petit peu. Ça permet d'être sûr de ne pas oublier de respirer. C'est pareil, environ une minute. On essaie d'accélérer. Allez. Toujours bien amortir les appuis au sol. Allez, 10-15 secondes, on accélère un petit peu. Après, on en finit du sujet. Ok. On prend plus qu'à prendre 10 secondes. Soufflez, je vous explique le premier exercice. Le premier exercice, ça va être des fentes. Ici, fente, j'avance le pied. Descends le genou, nos jambes sans taper le sol. Juste, je rapproche mon genou du sol. Ici, le genou est en arrière par rapport au pied. Ça fait un angle droit, un angle droit là. Et je remonte. L'autre côté, c'est pareil. Et je remonte. On va rajouter une petite difficulté, parce qu'on est dans une séance courte, donc on va améliorer l'intensité. On va mettre les bras sur les côtés tendus. Mes mains sont au niveau de mes épaules. Pas plus bas, pas plus haut. Ici. Ici, j'avance un pied, je descends et je reviens. L'autre pied, je descends et je reviens. Ok? On est parti pour 20 comme ça. On se place, deux pieds à peu près vers les épaules. Ici, les mains sur les côtés, au niveau des épaules. Et je suis parti pour 20 en tout. Allez, go! 1, 2, je descends bien le genou sans taper le sol. 3, 4, je garde bien les mains.
placé sur les côtés. 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, pousse fort, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je garde les mains placées en haut. Ici, je mets deux mains devant et je fais des battements. Allez, rapide, 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 rapide. Pendant 20 secondes. Allez. Rapide, 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 rapide. Bras tendu. Je regarde devant moi. Allez, rapide, 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 rapide. Allez, plus vite possible. Allez, allez. Il reste 5 secondes. Rapide, 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 rapide. Ok, en relâche. Tout un petit peu, je vous montre le deuxième exercice. Deuxième exercice, on va se mettre en position de pompe. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, on est en position de pompe, à peu près la largeur des épaules. D'accord? Ici, bien aligné. Là, et l'exercice, ça va être de lever bras et jambes. Et là, après les autres, je vous montre, ça fait 1, 2, 3, 4. Dès que j'ai fini, je descends, une pompe et je remonte. Allez, deuxième, 1, 2, 3, 4. Une pompe et je remonte. Ok, on va faire ensemble. Je pense que vous avez compris. Alors, je pars à la position de pompe. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, première pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, deuxième pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, troisième pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, quatrième pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5ème pompe. Et là, tout de suite j'enchaîne. Je vais passer comme ceci. Je lève bien le bassin vers haut et on tient 20 secondes. Allez. Le but c'est de ne pas laisser tomber les fesses. Je lève bien le bassin le plus possible. Allez, on tient. Attention, on ne va pas laisser tomber les fesses. Donc, ce qu'on a fait là, on va le refaire une deuxième fois. On va essayer de tout enchaîner, sans pause et de mettre de l'intensité. Alors, 5 secondes même pas. Et je me relève. On souffle 5 secondes, on est parti pour les ventes. On va mettre un peu de rythme. Prêt ? Et le bras, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, allez, on ne va pas tomber les bras, 11, allez, 12, pousse fort avec la jambe, 13, allez, 16, 17, allez, 18, 19, et 20, ici, je suis pas bon, allez, rapide, rapide, la chose de zéro, c'est fait exprès, allez. Allez, rapide, 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 rapide. Allez, rapide, 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 rapide. Ok, tout de suite. Position de pompe, on se place. Allez, 1, 2, 3, 4, une pompe. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, deuxième pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, troisième pompe. Allez, 1, 2, 3, 4, quatrième. Allez, 1, 2, 3, 4, cinquième. Et tout de suite, je me place ici.
Alors on sort bien les fesses, on le met dans le bassin. Il n'y a pas de monde. À peu près, hein. Allez, on tient, c'est bien. Allez, on est reparti, on va faire un dernier. Allez, c'est parti, on lève les mains sur les côtés, c'est parti. 1, 2, allez, 3, allez. Vérifiez bien votre position. Allez, on tient. 8, allez. Allez. Allez, on souffle bien. 17, allez, pousse fort. 18, 19 et 20. Tout de suite, allez. Allez, lancez, lancez. Ça commence à être très dur. C'est normal. Abonnez-vous pour suivre les prochaines séances et je vous remercie encore et à bientôt.